pense que ce que ça peut apporter à un groupe, quoi, que sur quoi vous travaillez alors Alors ça apporte surtout de la confiance en soi. Ça permet de prendre conscience de ce qu'on fait sur scène, de ce qu'on peut donner, ce qu'on se doit de faire en fait, par rapport au public qui est là et qui attend quelque chose de voilà, qui attend un cadeau quoi de notre part, c'est-à-dire voilà, on est là, on est présent et on donne un présent quoi. Voilà. Donc c'est tout un travail d'exercice. Ça peut être des exercices de relaxation, de présence justement, où on est tout seul sur scène face aux autres du groupe et on est censé voilà montrer ce qu'on ressent et voilà rester sincère et donner le maximum de soi quoi. Comment on fait pour donner le maximum de soi? C'est à l'intérieur surtout et voilà, essayer d'exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur et voilà, montrer qu'on est là et qu'on n'est pas ailleurs quoi. Quand on chante et quand on joue de la musique, forcément on pense à ce qu'on est en train de faire, mais on pense aussi voilà ce qui est en train de se passer au moment présent quoi. D'accord. Et sur ce que tu me disais tout à l'heure, sur le fait que le public voit tout finalement, ouais, tout à fait, ouais. Que c'est quelque chose que tu as découvert, tu devinais déjà Oui, pendant très longtemps, moi ça fait 5 ans que je fais ça, pendant très longtemps je suis resté assez timide, je suis quelqu'un de timide dans la vie de tous les jours, donc ça se ressentait sur scène, et pendant très longtemps sur scène j'étais très renfermé sur moi-même, dans ma bulle, parce que c'était important pour moi, c'était mon petit bonheur à moi, quoi, la musique, voilà. Et je partageais pas assez. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pris conscience grâce à Lise, notamment, pendant ces résidences-là, que voilà, on est là pour partager notre musique et que rien que de lever la tête et de prendre conscience qu'on est là et de donner tout ce qu'on a sur le moment présent, c'est énorme. Et le public le ressent tout de suite. Et c'est merveilleux pour eux, quoi, après. Et c'est quelque chose que vous avez déjà découvert à travers votre propre musique aussi, en pratiquant votre musique sur scène, vous avez découvert ces choses-là, j'imagine. Bah bien sûr, tu te rends compte que quand tu donnes plus au public, forcément il y a plus de réponses, enfin d'enthousiasme quoi. On l'a bien senti quoi sur certaines dates que voilà quand on donnait, bah, voilà le public répondait et c'était juste quoi, c'était très bon. D'accord. Alors ton nom c'est comment, tu connais? C'est Sam, oui. Sprent, SPRENT. D'accord, merci beaucoup. Merci.